Après une première vague de 49 personnes la semaine dernière, un nouveau contingent de réfugiés ivoiriens vivant au Mali vient de rentrer au Bercail. Au nombre de 43, ils ont été accueillis par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides dans ses locaux à Angri. Lorsque les rapatriés viennent, ils rentrent ici, nous les aidons à avoir des documents administratifs. Nous les aidons pour leur insertion, pour les élèves qui fréquentaient des établissements là-bas, nous les aidons à s'insérer aussi dans le tissu scolaire ivoirien. Désormais rentrés au pays, les réfugiés souhaitent une action forte de l'État afin de leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique. C'est une joie totale. Il n'y a rien de plus intéressant que de se retrouver chez soi-même. Nous sommes partis, certains ont fait plus de 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Revenir au pays, c'est une joie totale. Ce n'est pas dire que là-bas on vivait mal, mais seulement il est mieux de vivre chez soi. Donc vraiment, on a voulu revenir chez nous, nous installer afin de pouvoir reprendre nos activités. Ils étaient environ 1100, les Ivoiriens qui étaient réfugiés au Mali. Avec le retour de 92 d'entre eux, il en reste encore 1008 sur le sol malien qui attendent de regagner volontairement la Côte d'Ivoire.